リンクスタート。La force sans prudence succombe sous nos... sous son propre poids. Merde, j'ai mal. Je me suis fail pour cet épisode 12. On se retrouve les gens pour la suite de Classroom of the Elite saison 2. Et putain de merde, il y a cet enfoiré qui fait tellement de torture à Kay là. Et putain, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Merde. Comme dit, on a attendu une semaine tous pour ce moment. Putain, j'espère qu'il va le faire payer. Ah. T'en es direct remis dans le bain. Hein? Oh merde. Il essaye. Ah ouais. Il raconte vraiment ce que... Putain, il est intelligent quand même. Hein. T'as quel enfoiré. Et pauvre Kay, quoi. Mais non, mais non. T'inquiète. Putain, l'enfoiré. Je vérifie juste. C'est bon, on voit bien tout. Merde. Putain, non. Ne craque pas. Oh. Quel salaud, putain! Vas-y, allez nous cocher des marques! Non. Non, te laisse pas, Bernet. Hein? Taka? Akio Taka? Merde, non! Oui! Kay, on t'aime! Les gens t'ont craché dessus au début. Mais nous, on le savait! Que t'étais une vraie putain salaud. Oh. Putain. Oh. T'as quelle enflure. Putain, mais ouais, Kay, franchement. Je veux tout l'amour. Dans les commentaires, je veux plein d'amour pour Kay. Je veux voir tout le monde là, comme dans le précédent épisode. Tout le monde qui soutient Kay, parce que là, ce qu'elle fait... Ce qu'elle fait, c'est incroyable. Pour Ayano Koji, malgré tout ce qu'il lui a dit et tout, à la fin... Oh là là... Mais oui. Il va venir, t'inquiète, il va venir. T'inquiète, il va venir. Oh. Putain. Qu'est-ce qu'il fout, Ayano Koji? Putain, mais il est vraiment avec son groupe et tout, en mode rien à foutre. Oui, 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 rentre. Rentre. Allez, Ayano Koji, vas-y. Allez, vas-y, putain, mec.
Que se passe-t-il? Il va voir sa prof. Ah putain, il est au courant de tout. Oh. Pardon? What the fuck? Ouais, mais là, meuf, conflit entre élèves. C'est de la torture, là. Oh. Juste de... Oh. Juste de ne rien dire alors qu'il va lui exploser la gueule. Qu'il va lui exploser sa putain de gueule et qu'elle dise rien. Oh. Oh! Le frère d'Orekita, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Faire le ménage? Oh putain! C'est génial qu'ils collaborent autant, le frère d'Orekita et Anokoji. Ah! Bon, y a... Oh! Intégrer le BDE? Nickel, Anokoji qui va du coup aider Orekita à intégrer le BDE. Trop de... Putain, trop de trucs là qui se passent. Oh putain. Ah, je vais devenir fou les gens. Hein. Je vais devenir dingue. Hein. Il va leur éclater la gueule là. Oh putain, ah là les gens. J'en tremble. Oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Oh putain, Anokoji qui parle anglais? What? Pourquoi il a laissé passer? What? Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, Kai, il arrive, il est là. Oh putain! Oh putain! Oui! À l'aide! Oh. Oh putain, il va tout lui expliquer. Mais oui, il a foutu de l'eau. Oh putain. Oh putain. Je suis... Non, jamais de la vie, t'es malade. Parce qu'il va vous éclater en fait. Oh putain. Oh putain. Oh le climax de fou. Wesh, Non mais t'inquiète, t'inquiète.
Oh putain. Oh putain, le poing d'Anokoji il est fermé. Vas-y. Il va les exploser, putain. Il va les exploser. Oh putain. Oui, bien sûr, ouais. Oui, vas-y, montre-leur. Attends. Oh. Oh putain. Oh putain. On a vu qu'une fois Inokoji se battre. Hein. Et encore se battre. C'était le piano et la calligraphie, hein. Oh putain. Vas-y, Inokoji. Putain, et Kai qui... Oh yes! Yes! Bad boy! Allez, explose-le lui maintenant! Putain, le dieu! Oh le dieu! Oh le putain de dieu! Ah le putain de dieu, c'est trop bon! Oh putain! Ah bah, c'est Anokoji, mon pote! Comme d'hab, je vérifie qu'il n'y a aucun problème, hein. Oh putain, attention! Oh putain! Oh! Il a foutu KO en deux coups. Oh putain! Oh putain, ça y est le moment qu'on attendait tous ces gens. C'est déjà fini! Oh! Ah ouais, d'accord. Ouais. Il est incroyable, il se bat avec tellement de calme et de classe. Non mais mec, ferme-la, il t'éclate en fait. Ouf.
Ce qu'il lui met. Regarde! Il s'en fout! Il en a rien à foutre! Putain! Oh là! Je pensais pas que ça partirait en fight, mais... Enfin, si, bien sûr! Mais pas de cette manière! Ok, on a un petit flashback du passé de Ryuen. Le mec c'est un pou en force en fait, hein. Nakushi, mais on a rien à foutre. Regarde, il bloque tout. T'inquiète, Kay, t'inquiète. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, là. Là, c'est même plus drôle, en fait. C'est même plus drôle, là. C'est juste... Là, c'est un viol gratuit, en fait. J'espère qu'il va pas s'attaquer à Kay, hein. Putain, et ça continue! Oui, explose lui! Sa putain de gueule! Voilà! La fameuse scène! La fameuse scène! Oh putain! Oh là là! Vas-y! Explose-lui sa putain de gueule comme il mérite! Putain, mais espèce de fou! Il y aura rien à foutre à Nokoji, c'est vraiment. En tout cas, c'est l'image qu'on connaît tous! Incroyable! Oh putain! Voilà! Et c'est ce calme! Voilà! Nique-lui sa mère! Je suis violent, mais j'en ai rien à foutre, putain! Voilà, ça c'est pour Kay! Oh putain, qu'est-ce que ça devient, Classroom of the Elite! Gueule! Oh putain, il a éclaté! Merci Classroom of the Elite. Merci Classroom of the Elite. Merci de nous proposer ça en fait. Merci de nous proposer ça. Merci de me permettre de faire une telle réaction sur un anime que j'aime tant, un univers que j'aime tant, qui me tient tellement à cœur. Merci. Merci de nous offrir ça. Cette scène qu'on attendait depuis une semaine. Ce déchaînement de haine qu'on attendait depuis une semaine. Merci. Merci. Voilà. Oh.
Incroyable. Putain, mais quel boss. Magnifique. Oh, franchement, c'est limite une déclaration, ça. C'est incroyable ce qu'il dit là, Inokoji, pour Kei. Il tiendra toujours sa promesse. Et ça se termine comme ça. L'avant-dernier épisode de la saison 2 de Classroom of the Elites. Oh, incroyable. Putain de incroyable, mon dieu. Quel épisode de fou furieux. C'est ça qu'on voulait depuis une semaine. C'est ça qu'on attendait depuis une semaine. Incroyable. Vraiment. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui est bon. C'est ça Classroom of the Elites. Oh putain. Il les a fracassés. Il les a fracassés. Il les a fracassés. À 4 contre 1. Il les a éclatés un à un. Tout seul. Et tout ça en étant, voilà, à Enokoji. Voilà, neutre. Aucune émotion. Aucun plaisir. Aucune douleur. Aucune peur. Aucune hésitation. Rien. Vraiment, à Enokoji, dans toute sa splendeur, ce personnage si incroyable dans toute sa splendeur. On l'a enfin vu se battre après ces petites démonstrations, comme dit face aux frères de Horikita lors de la saison 1, lors de l'épisode 2, me semble-t-il. Et bien là, on le revoit et. Pff, non, ouais, c'est trop beau. Je suis trop chaud. Putain, franchement, lâchez-vous dans les commentaires. Lâchez toute votre extase, toute votre haine face à Ryuen et votre plaisir pour Aya Nokoji et pour Kei. Lâchez-vous parce que là, moi, je suis fou là. Je suis fou en vidéo, donc je me dis, forcément, vous aussi, quand vous allez regarder la vidéo ou l'épisode, vous allez être comme moi, comme des fous. Je suis totalement fou. Bref, les gens, on va se laisser là pour cet épisode numéro 12. Et donc, avant-dernier, parce qu'il me semble bien qu'il y a un 13e épisode la semaine prochaine, donc le dernier épisode de la saison 2. On verra comment ça va du coup se terminer cette saison 2 avant la saison 3 l'an prochain. Mais enfin, voilà, incroyable épisode. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai très très hâte de le savoir. Et écoutez, mais moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à lundi prochain pour le dernier épisode de cette saison 2 de Classroom of the Elite. Allez, je vous souhaite une très belle journée, les gens, une très bonne soirée. Et vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!